de l'ESADAR, des étudiants en art, notamment une étudiante qui a une certaine crainte vis-à-vis des mathématiques. Elle est venue avec une fraîcheur et une sincérité absolument formidables, parce que le principe du jeu est de pouvoir accéder à des concepts qu'on ne comprend pas. Souvent, en philosophie, en art, on tombe sur des choses qu'on croit savoir ou qu'on croit comprendre, ou des choses qu'on ne comprend pas, et il faut lire des choses difficiles pour pouvoir fabriquer de la connaissance et avancer dans la compréhension de la chose qui nous est soumise. En art, ça arrive souvent puisque l'art produit souvent des choses incompréhensibles. Donc, voilà. Face à une œuvre d'art, tout le monde a une opinion. C'est génial en art, c'est facile. On voit le truc, on dit c'est bien, c'est beau, ça me plaît pas. Alors qu'en mathématiques, les gens n'ont pas d'opinion, ou ils en ont peur, ou ils se cachent, ils disent que ce n'est pas pour eux. Et donc, de mon expérience, j'ai toujours eu l'impression, et ça on va le voir en art par exemple, c'est que lorsqu'on vient avec des concepts mathématiques en art, pour expliquer les peintures, eh bien, les critiques d'art n'ont pas l'habitude d'utiliser du savoir mathématique élémentaire, par exemple la commutativité, l'associativité, les bijections ou des choses comme ça. Ça leur échappe. Et pourtant, ce sont des outils qui sont extrêmement pratiques pour pouvoir décrire le monde. C'est des outils extrêmement puissants. Et il y a toute une collection de concepts qui nous échappent, qui n'échappent pas aux mathématiciens, mais qui échappent à un public averti, qui est le public ou des acteurs du monde de l'art. Et donc, l'objet de ce séminaire est de créer un pont qui ne soit pas un pont platonicien. C'est-à-dire que je voudrais éviter la sempiternelle histoire de la magnifique fractale et du nombre d'or pour essayer d'utiliser d'autres concepts que développent les mathématiques, qui sont des concepts qui permettent de penser autrement le monde, ce que vous faites constamment, hein, quand vous avez compris le jour où vous avez compris l'algèbre modulaire, par exemple, ou alors comprendre les nombres p-adiques, qui sont une façon de calculer qui est extrêmement bizarre, qui n'est pas normale, enfin, pour le commun des mortels. Et donc, lorsqu'on rencontre ces concepts-là, et qu'on va ça crée une sorte d'interrogation. Et pour autant, ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes intellectuellement, vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes des praticiens de ce savoir. Et donc, je me posais la question de si nous pouvions établir un cadre de travail qui nous permettrait, à un moment, de faire glisser ces savoirs d'un domaine à l'autre, de façon beaucoup plus générale. On revient, pour la science de ce mois-ci, il y a un article magnifique. Deux articles magnifiques sur la théorie des catégories, qui est une façon où ils expliquent on dézoome sur le champ des mathématiques pour observer les mathématiques d'un peu d'en haut et de voir qu'est-ce qui circule. Donc il y a bien des choses qui circulent entre l'art et les mathématiques, car il y a des structures, il y a des formes, il y a des processus, voire même l'histoire récente de l'art nous montre que on a privilégié les fonctions plutôt que les objets. Où on va observer les objets dans leurs propriétés fonctionnelles. Waouh! Ça ressemble à des choses que vous connaissez. Et tout ça, c'est un ensemble qui permet effectivement d'échapper à la vieille formule platonicienne du beau, tout simplement, ou du pas beau, ou de la relativité des goûts. Et probablement aussi revenir à quelque chose qui m'a passionné, qui est la question de la posture esthétique en art. Ces jeunes gens, trois jeunes gens, vont être interrogés dans 2 ans, dans 3 ans, sur leur posture esthétique, c'est-à-dire sur leur projet, sur la formulation, ce pourquoi ils vont se battre. Comme vous, quand vous avez choisi vos spécialités en mathématiques et la façon dont vous allez formuler vos projets, vos démonstrations, avec la rigueur nécessaire, de façon à donner de la cohérence à quelque chose qui n'était pas nécessairement cohérent. Rappelez-vous que les nombres imaginaires, on le répète, n'étaient pas une idée évidente, n'étaient pas une idée cohérente au XVIe siècle. Il a bien fallu faire un saut conceptuel pour pouvoir accéder à cette notion,
Et notamment, moi, le truc qui m'a plus choqué quand j'étais étudiant, et je suis très très mauvais en mathématiques, c'était de rabattre le plan des réels sur la droite des x et garder y pour mettre i. Merde. Alexandre, la dernière fois, m'avait fait une très belle démonstration sur l'apparition de cet objet en disant que c'était une nécessité géométrique. Mais qui fait de la géométrie ici? Alors, il y a des géomètres, bien sûr, parmi vous. Mais il y a aussi des géomètres ici. Ces gens-là, ils font de la géométrie intuitive en permanence. Nos étudiants de première année font de la géométrie intuitive dès qu'ils prennent un arc de cercle. Ils vont regarder ce qui se passe dedans, un triangle. Enfin, toutes les formes topologiques fondamentales sont expérimentées dans les écoles d'art. Mais on n'a pas de terminologie pour nommer tout ça. On nomme ça comme des sauvages, à la diable. On n'a pas organisé ce truc-là. Et on va s'apercevoir, et là, au cours de mon explication, qu'entre ce personnage à lunettes et cet autre personnage au milieu de l'œuvre d'art et au milieu de cet objet topologique, il peut se passer des choses qui nous intéressent, car nous travaillons tous sur, finalement, des espaces entre deux, des potentiels. C'est-à-dire, voilà, on va. Alors, sujet, la suite. Alors, pour ça, je vais vous demander, je vais vous faire violence, je fais violence à tout le monde, la suspension consentie d'incrédulité. C'est une idée c'est une idée littéraire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut admettre qu'une chose existe. Si, par exemple, en art, je vous fais une démonstration comme quoi il y a des lapins sur la table, à un moment, à force de raconter qu'il y a des lapins sur la table, nous serons tous d'accord en tant que communauté pour reconnaître qu'il y a des lapins sur la table, ça deviendra une idée. Déjà, ce sera déjà une idée, et après, on pourra éventuellement voir si elle a une réalité concrète, ou du moins si elle a une réalité déjà sociologique. Qu'est-ce que c'est qu'une réalité sociologique? C'est le fait que nous soyons tous autour de cette table pour discuter de formes potentielles. Donc, Shakespeare nous disait, nous mettions en œuvre les forces de votre imagination, suppléées par votre pensée à nos imperfections, et créez une armée imaginaire. Car c'est votre pensée qu'ils doivent ici parer nos rois et les transporter d'un lieu à l'autre, franchissant les temps, accumulant les actes de plusieurs années dans une heure de sablier. Là, Shakespeare résume le théâtre, hein, dans lequel il se passe de grandes, grandes choses, et tout ça va être condensé. Mais ça ressemble aussi, d'une certaine façon, aux formules. Quand on invente la procéduralité, le fait d'avoir inventé la procéduralité, le fait de mettre un cercle en équation, c'est tous les cercles de l'univers. X au carré plus Y2 est égal à. Hein, c'est tous les cercles de l'univers. C'est où que je sois dans le cosmos, ça c'est votre croyance, je vais venir et j'aurai cette formule qui me permettra de construire quelque chose de fonctionnel partout où je serai dans ce cosmos. Donc il y a une sorte de résumé et ce mouvement-là aussi est extrêmement intéressant. Naturellement, on voit bien que nos personnages ont déjà voyagé puisqu'ils ont été soumis à une opération mathématique assez simple. Je crois que c'est les trucs de Hausdorff. Hein, on a la même forme et puis on fait une déjection. Simplement, on tord l'espace, on change la métrique. C'est ça que disent les physiciens, je crois. Voilà. Donc, par exemple, changer de métrique. Waouh! Pour nos étudiants, ce serait très utile. Qu'est-ce que c'est que de changer de métrique? Plutôt de rester dans le cadre euclidien. Formel comme ça, où est mon œuvre, mon truc, mon machin? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus beau. Donc, moi, je souhaite qu'au cours de ce séminaire, et si vous souhaitez continuer avec nous, que nous puissions observer les différences méthodologiques et les convergences intellectuelles. Donc, faire une collection d'endroits où ça colle et d'autres endroits où ça ne colle pas. Car, à mon avis, l'art montre, je vous ai parlé du lapin, vous savez bien le lapin, là, la démonstration, c'est une démonstration fausse. Et il est là, le lapin. Donc l'art montre, je montre l'existence potentielle du lapin, alors que l'art démontre, le physicien, avant le mathématicien, va dire, là, pour l'instant, il y a de l'air, avec une table en dessous et probablement des processus de gravitation, de lumière, etc. Enfin, il pourra me dire que déjà, les physiciens peuvent voir énormément de choses dans cet espace. Il y a déjà beaucoup de choses à faire dans ce vide. Là aussi, c'est un outil qu'on peut donner à nos étudiants en école d'art. C'est les outils de la philosophie analytique qui, au lieu de se plonger dans des poèmes moraux, des évocations, vont déjà poser la question, qu'est-ce que j'ai sur la table? Waouh! C'est-à-dire que là, pour l'instant, les images que je vous montre, ce ne sont que des pixels. Ce sont des pixels, ce sont des mirages. C'est une lumière, c'est une illumination.
Donc, en réalité, je suis censé vous montrer des œuvres d'art, on ne les voit déjà pas. Je dirais que d'un point de vue philosophique, c'est presque l'équivalent de mon lapin. Nous aborderons la question des besoins en termes d'épistémologie et d'appréhension des mathématiques pour le public des écoles d'art. Ça, c'est le projet, c'est la conclusion. J'ai dit la conclusion au mauvais endroit, vous me pardonnerez. Nous poserons la question d'un enseignement des mathématiques au cours des questions philosophiques et culturelles qu'elles engendrent. Et là, je m'adresse en particulier aux conversations que j'ai eues avec Léna et Cléa. C'est-à-dire que quand les mathématiciens se posent la question des transfinis, c'est-à-dire des infinis d'infinis, on fait des concaténations, des infinis les uns dans les autres, et puis on regarde, et puis on fait des infinis qu'on peut calculer, on fait des infinis qu'on ne peut plus calculer, parce qu'on ne peut pas les diviser, parce qu'ils se divisent toujours tout seuls, ils nous échappent, comme ça. Des infinis qui sont absolument magnifiques, on a un bestiaire d'infinis. Mais ce bestiaire d'infinis, il peut très bien être évoqué avec des mots. Il y a des calculs qui démontrent leurs propriétés spécifiques, qui sont très très beaux. Je pense à un mathématicien dont l'histoire tragique et magnifique, c'est Georges Cantor qui a travaillé là-dessus. Et donc, il y a tellement de belles histoires. Et ça, ça fait partie de la culture générale. Ça fait partie de nos... C'est notre bien à tous. Pourquoi on ne laisserait ça qu'à nos amis mathématiciens? Simplement parce qu'on a décidé que c'était trop compliqué. C'est faux. Appréhender l'infini sous sa forme de calcul digital 1, 2, 3, 4, 5, n plus 1, etc. Ou dire, entre 0 et 1, il se passe quelque chose, et là, je peux tout diviser, et je peux avoir des règles de division. C'est une chose qu'on peut faire aussi avec son compas, avec son crayon, et trouver des choses absolument magnifiques, et après verser probablement dans la physique. Mais là aussi, on sait que lorsqu'on dessine, on fait de la physique. On met de la matière sur une surface, sous certaines conditions, plus ou moins efficaces. Donc, c'est absolument magnifique, là encore. Ça nous ouvre à plein de choses. Ça nous permet d'échapper aux affects émotionnels du joli dessin. Parce que c'est très bien, les affects émotionnels du joli dessin. C'est très intéressant. C'est ça qui nous permet de nous captiver. C'est l'image de gauche que vous voyez. Un bel espace. Oh, il est joli, cet espace. Vous remarquerez qu'il contient plein de propriétés comme ça, un peu dingo, mais ça, je le ferai un autre jour, parce que c'est pas ça que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et nous serons à l'écoute des questions de nos collègues mathématiciens sur l'art, afin de les initier ultérieurement, question des enjeux esthétiques et culturels en art. C'est-à-dire que lorsque je parlais de la question de la posture esthétique en art, je suis à peu près convaincu qu'en mathématiques, il y a des postures esthétiques. L'existence de Grothendieck et de Perelman a bien montré que leurs questions éthiques étaient liées à des questions esthétiques aussi. C'est une façon de faire des mathématiques. Voilà, il y a des gens qui font des démonstrations de bourrin. Moi-même, quand j'étais à l'école, je faisais des démonstrations de bourrin parce que je n'avais pas l'esprit d'associer les choses, mais je voyais bien qu'il y avait quelqu'un qui faisait une démonstration vraiment plus élégante et que ce que j'expliquais en 10 termes abscons et pouvait être expliqué en 3 termes comme une illumination. Et cette illumination, elle correspond à un autre sentiment anthropologique, c'est la compréhension. C'est-à-dire au moment où on commence à comprendre quelque chose et comment un dessin commence à se formuler. C'est exactement l'expérience qui a eu lieu sous vos yeux. C'était des éléments complètement disparates de l'atelier que j'ai assemblés et qui ont fait un système modulaire en multidimensionnel qui commençait à prendre sa cohérence. Et là, c'est miraculeux, comme un dessin qui prend sa cohérence, une catalyse, quoi. Enfin, pour toi, une cohérence, moi, j'avais pas du tout. Ah, mais chier. Ah, oui, je... Non, mais on reviendra après, on reviendra sur ce sujet, mais un autre séminaire, un autre endroit. Peut-être qu'on fera un grand moment sur le chaos. Débrouillons-nous avec le chaos, un truc comme ça. Comment s'en tirer avec le chaos? Y a-t-il des structures? Quelles sont les structures sous-jacentes dans ce chaos? On voit ça, par exemple, en statistique, quand des statistiques de grand nombre, quand on arrive à trouver des morphologies et tout ça. Enfin, voilà. Mais c'est très intéressant pour échapper à la question « Ah oui, c'est de l'art abstrait. » Ben non, c'est bien plus que ça. D'abord, je vais vous montrer un certain nombre d'abstractions derrière qui sont assez stupéfiantes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la science démontre, l'art montre, l'art, c'est le langage. Alors, on pourrait penser que nous avons l'axe de l'art, du langage et des mathématiques.
et on pourrait se balader en variant les différents niveaux d'exigence ou de propriété qu'il peut y avoir entre ces différents domaines. L'art excède le langage. Si on a inventé l'art, c'est que le langage ne pouvait pas tout. Ludwig Wittgenstein nous a bien montré dans le Tractatus que le langage, ça détermine notre monde, mais on s'aperçoit bien que l'art nous permet, à travers des phénomènes morphologiques, de raconter des choses supplémentaires. Mais on verra aussi, par exemple, que le cinéma, qui est une forme d'image discrète, hein, 25 images par seconde, mais il y a toujours une image entre deux, c'est celle de notre imaginaire. Et là encore, toutes les formes d'art font appel à un manque. C'est-à-dire que là encore, l'image que vous avez à gauche, probablement, parle d'un espace qui manque pour tout se complète. Mais on ne cherche pas cette complétude. Si on cherche cette complétude, on sait bien que c'est un leurre et c'est un mirage. Et il vaut mieux laisser des potentiels en place. L'art force les relations. Les formes n'ont pas nécessairement de logique interne. C'est souvent la répétition qui engendre les relations. Là, tout à l'heure, mon exemple du lapin. Il est charmant. Donc, l'art et les mathématiques ont un rapport à l'imaginaire. Ça, c'est très, très important. Et c'est vraiment le moment le plus bouleversant quand on étudie les mathématiques, quand on regarde toutes les formes qui sont inventées, c'est que ça suscite, c'est vraiment une activité d'imaginaire, et voire même de poète. On va le voir tout à l'heure. Alors, pour cela, je vais prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est un... Oui. Pour revenir sur ça d'avant, il y a une phrase que j'ai dit, je comprends rien. Oui. Là, il est réductible. À lui-même en tant que... Déjà, à lui-même, ça me fait un peu. Je sais ce que c'est qu'une phrase irréductible, des choses comme ça. Je pense que tous les collègues, ça, c'est vraiment ça. À lui-même, déjà, pour moi, c'est... C'est presque une tautologie. C'est-à-dire que c'est un terme qui explique... Enfin, je voudrais expliquer... Qu'à chaque fois que j'essaye de définir l'art, bah, il va m'échapper. Voilà. Peut-être qu'il faudrait que je l'écrive autrement. Et donc, il faut vraiment le faire. C'est l'expérience de l'art qui nous procure son explication et on sait bien que c'est fugace. Voilà. Peut-être que j'aurais dû l'écrire comme ça. Non, mais tu as raison. De toute façon, si on fait un séminaire, c'est aussi pour avoir plus d'acuité dans notre expérience cognitive et dans notre expérience intellectuelle. Donc, c'est génial. On continue. Merci. Alors, voilà. Je vais vous parler de Laurent de Robert, qui est mathématicien et qui fait des poésies et mathématiques. Alors, je l'ai découvert dans un travail d'un auteur que je vous citerai tout à l'heure, qui est italien, qui s'appelle Michele Emme, qui est un spécialiste de la culture et des mathématiques. On va voir une œuvre de Gerhard Richter que vous avez vue dans la rue récemment et dont les choses les plus intéressantes étaient cachées. Et on va voir aussi l'œuvre de Jessica Wine qui a fait un truc magnifique, qui est un bouquin sur les tableaux noirs des mathématiciens. Là, on voit qu'en mathématiques, on fabrique des formes intéressantes. Je vais circuler. Sur les tableaux noirs et qui se passe toute une énergie imaginaire et de représentation qui peut intéresser les artistes. Alors, Laurent de Robert a fait une formule qui ressemble un peu à la formule d'Euler, absolument magnifique, mais dans laquelle le pi a été remplacé par le signe de la vie. En hébreu. Et alors ça, c'est assez bouleversant, parce que cette idée-là, il convoque une chose essentielle. C'est l'idée que pi pourrait être la vie, avec une formule de limite. Non, je ne comprends pas tout, il y a le L qui pourrait ressembler à un lagrangien. Je ne sais pas très bien, mais j'ai pris une vidéo de ce truc-là, et on va la voir, et on va mieux comprendre ce qu'il nous raconte. Alors.
Je suis à fond. Donc le L. Le L. Le son, et puis je mets bien. Ouais, vas-y, mets ton son. Le tien. Ouais, je descends le mien. Non, il faut absolument pas mettre le micro, ça. Ou alors tu mets le tien, le son. Est-ce que si on n'entend rien, bon. Alors. Là, si tu lances, on devrait entendre. Oui. Vous répétez, si vous voulez. Ce qu'il a dit, c'est que par rapport au rêve, la distance, on n'atteint jamais le rêve, mais la distance, c'est pas la zone. Et donc, on est. La symptôme, c'est comme dans la question de. D'accord. Donc, alors attends, faut qu'on te rappelle. Voilà, c'est parfait. Donc, remplace pi. La vie remplace pi. C'est très très beau, c'est une similarité. Et on verra que dans l'œuvre de Laurent de Robert, il a fait une algèbre des passions qui a été présentée dans les revues de Michel Aimé. Et qui est 15 pages de mathématiques qui va représenter les relations que les êtres humains peuvent avoir ensemble. Mais il va prendre des libertés avec la symbolique mathématique, mais en même temps, il va y rentrer de la poésie. Voilà, il y a de la poésie, il y a de la poésie dans la limite, il y a de la poésie dans l'infini, il y a de la poésie dans l'égalité. On va le voir plus loin sur une forme qui nous est commune à tous, que les étudiants d'art ne connaissent pas, mais qui est la formule la plus belle qui soit. Alors, combien de mots pour décrire ce que l'on voit? Là, on est chez Gerhard Richter. Gerhard Richter est un peintre allemand, probablement le plus grand peintre allemand
du 21e, du 20e et du début du 21e. Il a une carrière internationale. C'est quelqu'un aussi dont la réputation pourrait être comme celle d'Andrew Wiles pour les mathématiciens. C'est-à-dire, c'est inévitable, c'est la référence. Et alors, c'est amusant parce que toujours dans ces amas de pixels, parce qu'en réalité, ça n'est que des pixels que je vous montre là, qui sont des simulations de quelque chose de beaucoup plus magnifique. Une fois qu'on a dépassé Léa Seydoux, qui est devant la peinture de son père, c'est parce que c'est la collection Seydoux qui est derrière, Seydoux qui achète des peintures de Gerhard Richter, on voit un univers abstrait, ça s'appelle des abstract builds, il en a fait toute une série depuis 30 ans, qui sont des espaces dans lesquels la peinture est plaquée contre la toile et il y a des arrachements de peinture au moment où la peinture se met à coulisser sur la toile. On va voir ça de plus près. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une série de 4900 couleurs composées en 196 panneaux qui sont en 25 carrés. Et là, on trompe sur une algèbre combinatoire. Et c'est formé, donc c'est des petits panneaux comme ça qui sont installés. Et donc, dans chaque exposition, on voit quelque chose de différent. D'où l'intérêt aussi des pratiques combinatoires. Et on va voir qu'en création, les pratiques combinatoires, ce que vous faites actuellement dans Tricher en dessin, et lorsque vous jouez avec vos images, vos espaces, comme ça, sur la photocopieuse, ben vous faites une combinatoire de choses qui sont préexistantes. Et vous verrez que cette formule est très, très importante lorsqu'on fait la création, parce que ça permet d'explorer les possibilités et de ne pas refaire ce qui a été déjà fait. Donc, l'intérêt de la combinatoire. Alors, naturellement, c'est ce qui m'a stupéfait, c'est que lorsque j'ai réfléchi à Léa Seydoux, je me suis dit qu'il y avait une terminologie pour décrire le corps humain qui contient 7500 termes. Il y a 7500 termes pour décrire le corps humain. Combien y a-t-il de termes en mathématiques? Alors, les 7500 termes, 7444, voilà, pour décrire le corps humain. Donc, Léa Seydoux, finalement, disparaît au profit de sa description terminologique. Pourrions-nous utiliser tous les termes que l'on connaît de topologie, de morphologie, pour pouvoir décrire la peinture que l'on a vue derrière, la peinture abstraite de Hans Richter? Voilà la peinture plein pot, à quoi elle ressemble. Donc, en général, ça fait 2 mètres par 2, c'est assez grand. Et comment pouvoir décrire cet espace? Comment imaginer les relations qu'il peut y avoir entre l'espace des pixels rouges avec l'espace des pixels gris, ou alors des traces rouges ou des traces grises? Naturellement, on voit bien que la nature phénoménologique des pixels est différente de la nature phénoménologique de la trace sur la peinture. Mais c'est là où aussi on voit que nos systèmes d'analyse des images nous permettent parfois d'avoir des énormes ensembles de points qui sont presque mimétiques à la réalité de la peinture. Tant et si bien, c'est que maintenant, il existe des imprimantes qui impriment en volume de la couleur. Donc, nos capacités mimétiques du rapport entre l'analogique de la peinture et le digital de sa description est absolument énorme. Et de surcroît, les relations qu'on peut faire entre les différents espaces colorés ou les morphologies, parce qu'on voit bien que là, on a des fractales extrêmement raffinés, beaucoup plus jolis, puisqu'il y a des récurrences semi-régulières. Des récurrences semi-régulières, vous pardonnerez le mot. Mais voilà. Donc, on va regarder hop, si tu peux remettre le son, Benjamin, c'est bon. Allez. Which is actually
49 paintings. So the 196 panels have been put into 49 constellations of 12 panels. All these different layers are part of the project here, because we have the computer, which is the distribution of the 4,900 colors initially. So we have random by computer in the first distribution. We have then random by dice in the way how these 49 panels are arranged, how they actually always four elements are brought together. And we then have the artist's decision, the artist's intervention, so to say, in the way how Gerhard distributed these 49 paintings, very evenly distributed in the space, with slight moments of asymmetry. 4,900 colors is about the joy of looking. And it's about the joy of looking at objects that on the face of it don't have form. And yet, of course, they're full of form. Gerhard Richter, of course, is known for his extraordinary plurality of expression in terms of the art that he makes. He's an artist that really is absolutely distinguished and distinctive for not being limited to any one style or any one means of expression. Alors, on pourrait imaginer là-dessus que ce que nous dit la dame de la galerie Serpentine est totalement pas satisfaisant. C'est la peinture de la joie de vivre. Bravo, merci. Autant de responsabilités pour des explications aussi faibles. Le réalisateur a compris parfaitement l'intention de Gerhard Richter, l'utilisation de l'espace. La mise en rapport de ce plan-là est très intéressante, puisque nous pouvons mettre en rapport l'espace carré qui est derrière avec l'espace carré qui est devant et fabriquer une dynamique. Donc, il se passe quelque chose. Et on peut très bien raccorder les deux carrés en haut à gauche et de voir si ça correspond et qu'est-ce qui pourrait se passer dans les espaces manquants. Vous voyez ? Et tout le jeu de l'exposition, c'est de parler de la pièce complète et de ses espaces manquants. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup plus subtil que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut prendre l'art comme un jeu, mais comme un jeu formel. Et ce jeu formel permet… Donc, en fait, l'œuvre d'art, ce n'est pas un tableau en lui-même. C'est l'ensemble, c'est l'espace d'exposition. Donc, c'est bien… Si on a un tableau… En fait, le premier tableau… Quand tu as vu 4900 couleurs, etc. Mmh. En quoi est-ce que ça, c'est une œuvre d'art? C'est déjà une œuvre d'art parce que c'est un potentiel de combinatoire, mais quand tu vous apercevez que ça peut être des petits morceaux qui sont mis en rapport dans l'espace et que ça va commencer à jouer dans l'espace, vous apercevez que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et elle a oublié de le dire. Parce qu'on va dire que c'est la joie de vivre, parce qu'il y a des couleurs. Mais non. C'est beaucoup plus subtil. Par exemple, le grand vert de Marcel Duchamp. Vous la connaissez, cette œuvre-là. Je ne la présente pas aujourd'hui, je pourrais en parler. Le grand vert de Marcel Duchamp, qui est une œuvre sur laquelle il a travaillé pendant 20 ans, qui est un panneau en vert, en deux formats, avec la mariée mise à nu par le célibataire même. Donc, il y a plein de jeux de mots, etc. Mais en réalité, quand on la voit exposée à Stockholm, par exemple, quand elle a été exposée à Paris il y a quelques années, c'est une œuvre qui absorbe les autres œuvres qui sont à côté. Parce que comme elle est transparente, elle va jouer dans l'espace. Donc là, il y a un jeu formel extrêmement subtil et qui fait que Duchamp, qui avait beaucoup de difficultés à faire de la peinture à cette époque-là, enfin qui a abandonné la peinture parce qu'il était entouré de bons peintres, a décidé de faire une formule artistique qui soit englobante de toutes les autres, à travers le langage et des formes produites par le langage, ces jeux de mots. Donc, on rentre dans quelque chose qui peut ressembler à des événements qui se sont passés en épistémologie mathématique. Là aussi, quand on change de point de vue, on s'aperçoit qu'il y a d'autres dynamiques qui sont mises à l'œuvre. Voilà. Donc, je ne suis pas sur la bonne page. Ah, si je foutais ça en bas, ce serait mieux. Excusez mon langage.
Voilà. Donc, le troisième, c'est le travail de Jessica Wine, qui est prof de photo à Princeton, et qui s'est interrogée sur le tableau noir des mathématiciens. Moi, je regrette un peu qu'on n'utilise pas trop notre tableau noir à l'école d'art, un joli tableau noir. On va l'utiliser un peu plus parce que le tableau noir a cette vertu, c'est qu'on dessine, on efface et on recommence. Et comme on sait que le dessin, c'est de la pensée, c'est absolument magnifique. C'est une pensée qui s'écrit sur une surface et elle disparaît dans de la poussière. Waouh, c'est encore plus beau. C'est comme lorsque je vous demande de jeter vos dessins. Pendant certains exercices, j'aurais demandé de jeter leurs dessins. Bon, c'était très particulier, mais ça peut se faire comme ça. Les choses disparaissent parce qu'on en garde une mémoire. Oh, pas sûr, moi, je fais un gros moment. Allez, je suis convaincu que c'est bon. Tu gardes. Ouais. Oui, mais c'est, voilà, tu vois, ce qui se passe, c'est que finalement, en art, on peut aussi publier des choses qui sont intermédiaires, transitoires, ou des choses qui peuvent être fragiles. Ça s'appelle la prise de risque. Et on leur demande de faire ça. En mathématiques, je pense que dans une revue, arriver avec un axiome un peu qui fuit, un lemme qui fuit, vous le prenez dans les dents. Mais j'ai évoqué cette idée au début de ma présentation en vous disant que les mathématiques démontrent alors que l'art montre. C'est-à-dire que l'aspect performatif des pratiques artistiques nous distingue. C'est là où Laurent de Robert est très intéressant, c'est que lui, il arrive à se situer entre deux, et comme il connaît très bien les mathématiques, mais qu'il a des très bonnes notions d'esthétique, il peut jouer de l'un à l'autre. Sachant qu'en plus, il a cette intégrité de dire toujours où il est. C'est-à-dire que quand moi, je me permets de parler de mathématiques, je parle de mathématiques comme quelqu'un qui est fan de mathématiques, mais je n'en parlerai pas comme un mathématicien, et je ne peux pas me permettre de me mettre à cette place-là, parce que je n'en ai pas les compétences, et je n'en aurai jamais les compétences. Mais par contre, je suis convaincu qu'il peut y avoir des gens qui sont fans de mathématiques, comme il y a des tétraplégiques qui sont fans de football. C'est-à-dire, on n'a pas les sensations, malheureusement, mais on en voit l'intérêt, on voit la qualité du jeu. Donc, Sahar Khan, qui est à Columbia, fait des très jolis exercices sur la théorie des nœuds. Et on voit, alors pour que les... Ça, ce sera un truc super bien pour les étudiants d'école d'art, c'est un cours sur la théorie des nœuds. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle? La boucle triviale, et après les superpositions, et la façon dont on utilise un langage pour décrire tout cela. Waouh! T'imagines? Donc, tu vois qu'il y a le désordre que tu as sur le qui te protège du froid actuellement, à cette description mathématique. D'ailleurs, deux niveaux de description, parce que tu as les nœuds, c'est-à-dire les entrelacs qui permettent de faire le tissage, mais il y a aussi les courbes qui sont soumises à la gravité, les courbes du tissu qui sont soumises à la gravité et qui contiennent une autre forme de géométrie. Donc, tu possèdes au moins deux géométries sur toi. C'est intéressant de savoir qu'on possède deux géométries sur soi déjà. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai montré la géométrie du corps, hein. Le squelette de Léa Seydoux, en expliquant qu'effectivement, il y avait aussi d'autres géométries. Et tout ça, ça va s'imbriquer l'un dans l'autre, et ce ne sont pas des mathématiques platoniciennes. On sort du nombre d'or, on sort de l'inévitable fractal, on rentre dans des catégories extrêmement intéressantes. Sachant que les premières ne sont pas inintéressantes. Mais je voulais bien dire que c'est beaucoup plus vaste. Là, par exemple, David Gabet, que vous devez connaître, qui a un renom international, qui fait des géométries hyperboliques, et on voit comment ce tableau est passionnant. Et là, c'est un peu là aussi, c'est-à-dire que lorsque vous regardez le dessin d'un artiste, vous voyez ce qu'il y a, ou d'une artiste, vous voyez ce qu'il y a dans sa tête, mais aussi, voilà, c'est comme la partie immergée de l'iceberg. D'ailleurs, pour les étudiants en école d'art, peut-être que vous verrez en bas à droite quelque chose qui est relatif à la théorie des nœuds. Là, vous avez des entrelacs. Ce sont des tests pour savoir si pour connaître la topologie des formes. C'est-à-dire que pour savoir si une forme a un trou, deux trous, trois trous, on met un cercle et on fait transiter dessus et on voit comment il opère. Et c'est un exercice qui est extrêmement ludique à faire
Si vous le faites sur un ruban de Mobius, même, vous pouvez trouver des bêtises formidables. Après, vous coupez le ruban de Mobius et après, vous avez plein de choses très bizarres qui apparaissent, qui sont des merveilles. Quand j'ai provoqué encore, hein. Vas-y. Si tu veux, je trace le tableau dessus et je te fais un tableau. Voilà, exactement. Le regard. Ma question, c'est pour te pousser à t'expliquer. Hein. Alors, non, mais ça n'est pas une œuvre d'art, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail, mais il s'avère que cet outil de travail a un potentiel de description extrêmement passionnant. Et tu pourrais faire comme Laurent de Robert, c'était à un moment, pousser ton tableau noir jusqu'à un certain point où tu pourrais revendiquer une posture artistique. Tu vois, imagine, comme ça, tu décides, et là, tu pourrais devenir artiste, tu décides de faire que tes démonstrations deviennent performatives et dessinées. Et tu le fais une fois, deux fois, trois fois, comme mon lapin, pour la quatrième fois, qui est toujours là, il n'a pas bougé, et la chose commence à exister. L'art montre, les mathématiques démontrent. C'est-à-dire qu'à la limite, tu pourrais doter ta description de formes erronées, qui ne sont plus très logiques, comme l'a fait tout à l'heure Laurent de Robert en utilisant I plutôt que Pi. Et là, on va partir dans quelque chose qui est d'une forme poétique. Mais par intégrité, tu déclarerais ta position à ce moment-là. Mais à l'instant où je fais ça, je perds un peu, alors je ne trouve pas les mots, mais on va dire sa rigueur. Ah, tu perds de la rigueur mathématique. La rigueur mathématique. Bien sûr. Bien sûr, on perd de la rigueur, on se donne une liberté. J'ai fait l'introduction avec Shakespeare, comme notre amie Sonia vient d'arriver, on commence avec Shakespeare, avec la suspension consentie de l'incrédulité. C'est-à-dire que le mathématicien doit être incrédule, le poète commence à raconter un certain nombre d'histoires et on ne va plus faire des limites sûres, mais on va faire des limites progressives avec des processus déclaratifs où on dit où on est. Ouais. Moi, je dirais plutôt suspension consentie de la crédibilité. Tu vois ? C'est-à-dire que le mathématicien accepte d'être crédible, de croire croire à ce qu'on lui raconte. Mmh. Bien sûr. Tu vois, plus que l'incrédulité. Ouais. Je changerai probablement à l'avenir. Oui, c'est effectivement. Ouais. Ouais, y a des gens qui sont en discussion là. La vue de Frankenstein, Deep Learning de Google, la variété d'if et topo. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Enfin, pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre, mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, bonjour à tous les gens qui nous regardent sur Internet. Donc, on va retourner. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, ça, c'est un peu plus pour les étudiants en école d'art. Une formule qui reste un mystère pour moi parce que je n'arrive pas. Et je vois Cléa qui lève les yeux au ciel et elle est super inquiète. Alors, je vais aller sur le tableau et je vais te raconter un peu. Bon, sous réserve que les mathématiciens, normalement, ça devrait être un ami mathématicien, mais comme on commence le séminaire, la prochaine fois, ce sera un mathématicien qui fera ma place. Je le fais pour Cléa, je ne fais pas pour moi. Voilà. Bon, on est comme ça. C'est-à-dire que, voilà. E qui est égal à 0 est assez magnifique dans le sens où I, ça représente un objet qui s'appelle les nombres imaginaires. Là, tu as pi qui est la formule essentielle de la géométrie. Donc là, tu as la géométrie. Là, c'est E, c'est un nombre qui correspond à 2,7 de tir. Enfin, c'est un nombre rationnel, plus proprement, plus ancien, tout ça, et qui représente les exponentielles, les exponentiations, c'est-à-dire en gros les logarithmes. Tu vas retrouver les logarithmes, par exemple, dans tout ce qui est théorie du signal, par exemple, le son. Tu vois, ça fonctionne en logarithme. Donc, plus on avance d'une implémentation, plus c'est énorme. Ça, le logarithme, c'est absolument magnifique, c'est un très bon outil, très puissant. Donc l'exponentiation, et on a ce qu'on appelle, ça c'est une puissance, E puissance I pi. Plus, alors plus c'est formidable, tu connais plus, parce que qu'est-ce que c'est plus? Plus c'est l'addition,
C'est vraiment l'essentiel des mathématiques, c'est le cœur même, c'est le début. On a un objet, plus un objet, plus un objet. Et là, tu as 1 qui est l'unité. Là, tu as l'égalité. Et un autre objet fondamental qui est 0. Donc le rien. Donc, je crois, on va pouvoir faire ça. Le point, le 0. Le 0 qui reste un objet extrêmement étrange. Et là, c'est un mathématicien qui s'appelle Euler qui a formulé ça en 1700 et quelques. Et tu as toutes les mathématiques. C'est-à-dire qu'on serait de l'autre bout de la galaxie et on donnerait ça à un extraterrestre. Normalement, il devrait la connaître aussi. Voilà. Globalement, on passe du côté de l'imaginaire. La prochaine fois, nos amis mathématiciens nous feront une description plus large et plus velue de ce truc-là. Mais déjà, savoir qu'il y a une formule qui peut représenter tout le corpus mathématique, c'est assez génial. Qu'est-ce que ça pourrait être pour nous en art? Ce serait peut-être le cercle. Le point. La ligne. Point, ligne, plan, c'est Kandinsky. C'est le livre théorique de Kandinsky. Point, ligne, plan. Point, ligne, plan. Point, ligne, plan. C'est déjà des mathématiques, point, ligne, plan. Tu as un point, tu continues sur la droite, tu as une ligne, tu continues, et là, après, tu vas avoir un cube, et après, tu peux avoir ce qu'on appelle un tessaract, et puis après, des espaces à une dimension. C'est là où on s'aperçoit qu'en art, quand on commence à dessiner, on n'a pas de limite, il suffit simplement de prendre un processus, une section, et tu la pousses, et tu joues. Enfin, ça, nous, je peux parler de dimension 36, pas toi. On en a difficilement des CFT. Je ne sais pas que la dimension 36. C'est les formes de Kaloubiko, Yo, c'est ça, qui sont à des dimensions un peu compliquées. Mais bon, c'est un peu. Mais nos amis fréquentent ce genre de jolis objets. Voilà. Donc, ça ne vous est pas interdit. Vous voyez bien, vous êtes là. Et Sonia vient de nous rejoindre, qui représente les littéraires. Il y aura peut-être un jour plus de littéraires. Mais si on arrivait à faire un travail de collaboration. De terminologie, comme ça, et que chacun essaye de comprendre le processus de l'autre, les outils, on arriverait peut-être à faire quelque chose qui serait magnifique. Donc, j'ai retrouvé ça dans un article formidable, Orientation émotionnelle mathématique, la raison esthétique. C'est-à-dire que les mathématiciens, là, la dernière fois, j'avais une discussion avec une amie qui m'est vraiment chère, et elle me dit, ouais, les mathématiques, ça ne m'intéresse pas parce que ça ressemble à la mort. Je ne pouvais pas entendre ça de la part de mon ami. Elle dit, oui, on cherche à tout définir. Mais je lui dis, oui, mais les définitions, elles s'ouvrent sur des choses. Elles sont en général, elles se sont sur des potentiels. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ressemble plutôt à la vie. C'est-à-dire que réellement, c'est un travail constant de redéfinition, de précision. Et ce n'est pas la mort du tout. C'est plutôt le choc de notre conscience vis-à-vis de l'immensité du monde. Et c'est bien plus, beaucoup plus sexy, parce que ça nous montre bien qu'il y a des zones asymptotiques, comme l'évoquait tout à l'heure Laurent de Robert. Ça veut dire que les mathématiques sont le pivot de la conception scientifique de l'univers. Oui, on pourrait penser que c'est un pivot, bien sûr. Oui. Comprendra pas. Si elle dit que ça ressemble à la mort, ça veut dire que c'est... Elle a une vision un peu laplacienne, cartésienne, des définitions et tout ça. Elle n'est pas passée du côté dingo, où quand on commence à essayer de réfléchir le nombre péadique, par exemple, ça c'est quand même... J'ai vu le livre là avec les tableaux noirs, on voyait nos tableaux qu'on est fait en quoi là. Je ne vois pas en quoi c'est de l'art. C'est une livre publié un livre de moi. Je ne comprends pas. Et donc, on va dire que c'est quelque chose de beau. Je ne comprends pas pourquoi c'est. Mais j'ai pas dit. Pardon. Tu n'étais pas à comprendre. Oui. Mais à sentir. Non, mais en fait, c'est ça. Il y a des choses. C'est la différence. Oui, c'est qu'il y a des processus, d'ailleurs vous le voyez bien sur le dispositif de Gerhard Richter, c'est qu'à un moment, il faut laisser parler. Ses outils cognitifs et de voir les mises en relation dans l'espace. Et là, on commence à comprendre qu'il y a des récurrences, qu'il y a des principes, mais ils sont pas aussi clairs qu'en mathématiques, parce qu'en mathématiques, vos principes doivent être bien énoncés. Ce que je dis, c'est quand la personne dit que ça ressemble à la mort. Bien, pour moi, si je vois l'œuvre d'art et que
je ressens à peu près le même ressenti que l'autre personne pour les maths, ça va ressembler à la mort, c'est-à-dire, soit on peut dire que je n'ai rien compris, ou bien soit j'ai ressenti la mort. La... enfin, les choses que... Coup, vas-y. Non, non, vas-y, 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 c'est le principe du jeu. Ressentir la mort, c'est bien. Voilà. Je veux dire, c'est... j'ai pas dit. Voilà, c'est... Ah oui, c'est... Je dis quelqu'un qui va vouloir expliquer à quelqu'un qui ressent la mort. Finalement, c'est pas la mort, c'est compliqué. Le... On va pas pouvoir se comprendre. De toute façon, l'art a quelque chose à voir très très profond avec la mort. C'est-à-dire que, à mon avis, l'art, ça c'est ma théorie personnelle, mais je crois que l'art produit de l'information. C'est vraiment une production négantropique d'information. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des concepts extrêmement efficaces, comme celui-là d'ailleurs, des concepts absolument universels qui sont extrêmement synthétiques et qui, à un moment, peuvent s'étendre, se diffuser et même quitte à créer des malentendus, parce que l'art produit des malentendus et ces malentendus sont vertueux. Je dirais même plus que ce malentendu est presque une propriété démocratique. C'est-à-dire qu'on observera que tous les arts pratiqués dans les pays totalitaires voulaient chasser le malentendu. C'était des arts qui étaient presque plus proches de pratiques de propagande que ce qui existe en démocratie, où on présente des choses et on vous laisse une liberté d'interprétation. Et ça, c'est une énorme fragilité idéologique, mais c'est aussi là une grandeur intellectuelle qui permet différentes interprétations. Oui, dans cette question du sensible, de la compréhension logique, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'art quelque chose qui a peut-être pas en mathématiques, hein, la notion sacrée? Est-ce qu'on peut nécessairement dans quelque chose qui relève de transcendance? Oui, il y a une chose que, oui, ça c'est clair que l'art du XXe siècle a remplacé des protocoles transcendants qui ont disparu au début du XXe siècle. En démocratie, c'est clair. J'en veux pour preuve, par exemple, la Tate Gallery. Quand vous allez à la Tate Gallery à Londres, ça ressemble à une ancienne usine qui ressemble à une cathédrale, qui est tout en hauteur quand on rentre. Mais par contre, l'accès, il est horizontal. On n'est pas comme dans les cathédrales gothiques habituelles dans lesquelles on rentre, et c'est le paradis. Il y a la grande arche où on rentre par des petits côtés pour être étonné par la grandeur et l'élévation. Là, on va rentrer dans un sous-sol, on plonge d'abord dans un endroit extrêmement large qui peut admettre tout le monde, et c'est à ce moment-là qu'on va voir l'élévation. Et l'élévation, finalement, qu'on n'a pas dans les églises gothiques, parce qu'on ne va jamais visiter tout en haut, c'est des escalators. Avec les expositions, la librairie en bas, et le restaurant tout en haut. C'est la même chose au Louvre. Ah oui. On accède par la pyramide et il faut réellement prendre ces grands musées comme des objets religieux. Et si vraiment balèze les gars, c'est capable de nous vendre une maison cassée pourrie, où nous on croit que c'est un château superbe. Et c'est capable d'acheter. Tu as le château pourri, tu veux parler de. Là encore, on revient à l'histoire du lapin. Oui, voilà. On revient à l'histoire du lapin. Non, mais tu commences à voir le lapin. Tout le monde est d'accord. Et peut-être que le prochain séminaire, on aura un autre lapin blanc. Ce sera le séminaire du lapin blanc. C'est-à-dire qu'on a. Les métiers avec Sonia, c'est quelque chose qui va un peu. Ça va être transcendant. Il n'est pas dans les mathématiques. Moi, j'ai deux exemples en fait. Un, c'est que le mathématicien a parfois cette expérience. Il réfléchit. Il a un préjugé. Puis il fait des simulations numériques et puis ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Vraiment, il se concentre et d'un seul coup, il a une idée, bam ! On ne sait pas d'où vient l'idée. Il a, d'un seul coup, il y a une rupture en fait. Comme dirait Aziz, il y a un saut, il comprend un truc. Et en fait, il a compris. Après, il va chercher, il va démontrer, etc. Mais des fois, cette idée, c'est l'expérience qu'il raconte. Les grands mathématiciens, ils disent, théorie des distributions, ils disent que par rapport, c'est devenu un ennemi en fait. Il est tout. Et après, ça nous met. Comme les quatrains. Ça touche un peu à. C'est un peu limite en fait. Donc, il y aurait une transcendance en mathématiques. Il dit, mais ça. Voilà, ça. Juste,
Je ne serais pas aussi. Excuse-moi. Oui, c'est fait exprès. Hein. Ouais, ouais, j'ai été extrêmement caricatural. Mmh. Évidemment, j'imagine, j'espère qu'il y a une transcendance aussi en mathématiques et dans toutes les sciences. Selon Descartes, moi j'appellerais ça l'intuition. Oui. C'est ce mot-là que je donnerais, cette espèce d'intuition qui. Et d'où ça vient qui a quelque chose de mystique au sens très large, je ne parle pas de Dieu, etc., quelque chose qui nous dépasse et qui ressemble à l'acte créateur. Et moi je pense sincèrement que le chercheur, c'est aussi un créateur pour moi. Il y a quelque chose qui, dans ces moments de début, on en parle, tout à coup, là, on a. Bien sûr. Bien ça sûr. Vient à nous. Moi, je trouve ça vient à nous. Bah, bien sûr, c'est le cerveau hein, qui a travaillé, qui a. Mais. Bien sûr. Regarde. Quand à ce moment-là, tu as déjà travaillé avec les chiens. Depuis beaucoup de temps. Hein. Par exemple. Ça vient pas comme ça. Je vois par exemple l'histoire de l'invention des quaternions. Parce que là, tu décris tout un processus. Je connais, je peux quantifier. Je peux quantifier le temps que j'ai passé sur un ordinateur à me dire pourquoi cette simulation numérique est en moi. Mais le moment où le truc il vient, ça, tu ne peux pas quantifier. Moi, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas le quantifier. Tu ne peux pas dire bien sûr. Il ne faut pas le quantifier. Vous savez qu'il ne faut pas quantifier ces choses-là. Il y a un gap, en fait. Je ne peux pas combler le trou. Je peux quantifier le nombre de temps. J'ai cherché ma simulation le nombre de temps que j'ai passé à réfléchir, mais le moment où il y a l'idée, c'est. Il faut. Et ça, c'est une propriété semblable des artistes. Les artistes travaillent aussi en arrière-plan. Et c'est, il ne faut surtout pas quantifier. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qu'il ne faut pas vouloir se saisir. Souvent, il ne faut pas vouloir se saisir parce que d'abord, ce sont des choses qui ont une nature fugace et asymptotique. On essaye de les attraper et elles nous échappent. Donc, la production de l'idée, l'idée prégnante, l'idée signifiante, il y a une phrase de Cocteau absolument magnifique. Alors là, ça va faire plaisir à Aziz. C'est « Ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les instigateurs. » On voit très bien comment cet artiste génial et relativement feignant, à un moment, a échappé à cette chose sur laquelle on bute. Comme ça. Et on va trouver des butées semblables chez Gödel. Quand Gödel va essayer de réfléchir son dispositif et finalement va penser que ses équations sont des anges et qu'il y a un paradis en mathématiques. Waouh ! C'est-à-dire qu'il y a un truc comme ça verse. Alors peut-être qu'il y a une anthropologie des mathématiques. On sait qu'il y a de l'ethnomathématique qui est très très solide et qui est absolument magnifique. Je vais vous expliquer, les étudiants en école d'art. C'est qu'il y a une fille qui s'appelle Marcia Archer, une dame qui s'appelle Marcia Archer, qui dans les années 70 a commencé à se poser la question de savoir comment on formulait des projets de calcul dans les civilisations océaniennes, en Afrique du Sud. Et elle s'est aperçue qu'il y avait tout un corpus de connaissances, de manipulations qui étaient semblables à des mathématiques, hein, c'est-à-dire des computations, on appelle ça des computations, de toutes sortes, qui pouvaient soit décrire le cosmos, l'ordre des étoiles et le rythme des étoiles, soit pour pouvoir faire des cheminements sur l'Océanie, ou soit tenter des relations familiales avec tous les cousinages, etc. Et donc, ça s'écrivait autrement dans une autre pensée. Et c'est là où on aperçoit quelque chose qui est extrêmement anthropologique sur l'imaginaire et la capacité de l'imaginaire de s'appréhender du réel. Oui. Et c'est ce que vous faites en dessin. C'est ce que vous faites quand vous mettez une forme avec une autre. C'est pas que je suis chargé de réguler le temps. Oui, on va voir. Excusez-moi, je pensais faire 20 minutes. Voilà. Alors donc, je vous présente le carré blanc sur fond blanc, donc un carré qui, on est en 1918, c'est une rupture aussi importante que celle que Hilbert va faire pour les mathématiques, hein. C'est vraiment des ruptures paradigmatiques, c'est rendre des choses possibles, et c'est un carré dans un autre carré, il y en a un qui a une couleur plus sombre, plus ocre, et l'autre qui est plus bleuté, et en fin de compte, on voit très bien que si on continue de jouer, on peut très bien se faire une mise en abîme ou des choses comme ça, simplement avec les procédures de récurrence. Je me suis permis de faire ça, ce n'est pas très, très délicat de ma part, mais c'est pour montrer que lorsqu'il y a une fonction visuelle, on peut la multiplier, la décliner et opérer dans tout le corpus de symétrie que l'espace nous propose. Et vous verrez, si on continue ce séminaire de bonne qualité, on va pouvoir voir qu'il y a des formes de symétrie à n dimensions
qui permettent de s'immerger dans des trucs absolument magnifiques. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? C'est un travail de... Voilà. Ce que je voudrais, c'est qu'à l'avenir, si on arrive à imaginer des choses ensemble, c'est de faire un... Vous savez, Marcel Berger a fait un super bouquin qui est l'échelle de Jacob, je ne me rappelle plus, voilà, Géométrie vivante, qui correspond au livre de David Cohn-Vossen et Hilbert, qui est Geometry and Imagination, qui est le corpus, un corpus de géométrie générale, mais pour les mathématiciens, c'est-à-dire que son livre, il est très, 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 très beau, mais il est un peu difficile. Est-ce que ce au quoi on pensait, une sorte de glossaire qu'on pourrait éditer dans le cadre de nos éditions, soit les ADARS, soit l'université, et dans lequel on prend des concepts et on joue avec ces concepts pour essayer de les expliquer tantôt d'un point de vue mathématique, leur donner une définition littéraire, c'est-à-dire appréhendable par tout le monde, une description, une dynamique, et leur algorithme aussi, c'est-à-dire pour la programmation sur Processing ou sur Java, de façon à ce que tout le monde puisse accéder à ces formes. Voilà. Donc, voilà, par exemple, je parle de l'analyse procustéenne, de qu'est-ce que c'est qu'une arborescence, qu'est-ce que c'est des bifurcations, les cercles circonscrits, les cercles inscrits, bien sûr, la chiralité, les classes d'équivalence, le fait d'être concave, continu, discontinu, les minimales, les courbes fractales, naturellement, les courbes quadratiques, qu'est-ce que c'est qu'une singularité, par exemple, ce serait bien, moi j'ai une singularité. Est-ce qu'on désigne un point ou est-ce qu'on désigne une singularité? Une singularité, voilà, c'est ça dont on a besoin. Et alors, donc, pour l'instant, ce tableau Excel, il ressemble à ça. Voilà, donc j'ai commencé des choses, mais naturellement, ça dépasse mes compétences à certains points. Et comment expliquer une surface minimale? Voilà, comment le... Voilà. Pour un étudiant en art, une surface minimale, c'est une surface qu'on peut fabriquer avec des bulles de savon. C'est-à-dire que la bulle de savon, la dynamique de surface du savon va calculer, c'est une sorte d'ordinateur analogique qui va calculer la formule optimale. Mais comme vous avez été une formule optimale quand vos gènes se sont combinés pour pouvoir fabriquer ces êtres de bonne qualité que vous êtes. La loi du moindre effort, c'est exactement ce qu'on fait en art. La loi du moindre effort, toujours pour expliquer. Merci. C'est pour rire. Non, j'y tiens. Non, mais parce qu'il faut une certaine. C'est tellement immense qu'il faut une certaine efficacité. Si on commence à travailler, quand je vous vois travailler comme des tâcherons, je vous dis non, tu es une mauvaise méthode, tu abandonnes et tu recommences. Peut-être que d'ailleurs en mathématiques, c'est la même chose. Un étudiant qui s'acharne avec une démonstration un peu mal foutue de travers, etc., il dit, abandonne tout, récupère, prends un autre outil. Tu vois, ça va être ça. C'est, enfin, ça a un nom d'ailleurs, ça s'appelle le rasoir d'Occam en philosophie et en épistémologie. Le rasoir d'Occam de Guillaume d'Occam qui dit toute démonstration doit s'exprimer dans son minimum de termes. C'est ce qu'a fait Malevitch. Sa démonstration, c'est le minimum de termes, un carré dans un autre carré, et hop, parce qu'on ne pouvait pas en rajouter. C'était trop. Vous voyez, c'est immense en réalité ce qu'on vous propose. Et Cléa, tu as tout compris. Tu vois, même ce truc-là. Ouais. On va la garder, c'est notre lapin blanc. Voilà. Voilà. Et donc, alors, je n'allais pas faire de bibliographie, mais bon, les livres que j'ai créés, enfin, les livres qui sont, il y a Géométrie and Imagination de Hilbert, il y a quelques livres de topologie chez Springer Verlag que j'aime bien aussi, mais j'ai oublié de citer, Géométrie vivante, bien sûr, et Michele Emer, Imagine Math, qui est vraiment excellent, il y a 6 volumes, je crois, qui sont vraiment. Une publication chez Springer qui met en relation les mathématiques et la culture, définitivement, et de façon extrêmement sérieuse. C'est là où j'ai découvert Laurent de Robert, que je ne connaissais pas avant de faire ce travail-là.
Le fameux Do Not Erase de Jessica Wine, que vous avez pu voir, qui est absolument magnifique. Et On Growth and Form de Darcy Thompson, qui concerne les étudiants en art directement, puisque c'est, Darcy Thompson est un biologiste qui s'est intéressé à la genèse des formes. Donc, il a observé les coquillages et tout ça, et de, au 1870. Et ça a donné lieu, c'était une des portes d'entrée vers la topologie. Le nombre des tomes et la morphologie. Ouais, oui, excusez-moi. J'aurais dû, en plus. Voilà, mais bon, on ne fait que de commencer. Voilà. Je ne veux surtout pas. Voilà, en plus, je ne suis pas un universitaire. Donc je suis un artiste. Voilà. Ah oui, ici, il y avait un truc vachement sympa. La thermodynamique des courbes planes de Michel Vindès-France, qui est très, 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 très jolie, parce que là, ça intéresserait les étudiants, c'est que quand vous êtes sur, en art, c'est que vous, quand vous êtes sur un format 1/4 et que vous décrayonnez, ben, vous mettez tellement d'informations sur votre... C'est que vous augmentez sa négantropie, des informations qui... Et alors, Michel Vindès-France, qui est un mathématicien, a imaginé que c'était monter en température. Drôle, ça. Vous dessinez, vous montez en température votre feuille. Plus vous mettez d'informations, plus elle monte en température, plus elle est informée. Waouh. Très jolie expérience. Vous pouvez faire ça quand vous êtes en gravure, par exemple. Là, sur, quand vous gravez, quand vous dessinez sur les plaques de verre avec les reports et tout ça, et vous chargez, 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 jusqu'à, par exemple, le lieu ultime du noir idéal. On sait qu'il y a un artiste qui a travaillé sur le noir idéal à 99,99%, comme ça, qui est un travail de physique. C'est un peu, c'est asymptote imaginaire vers un moment sur une nécessité physique, qui est là où la physique arrête nos folies cognitives. Parce qu'il y a des principes de réalité. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous remercie de tout ça, de m'avoir écouté. Voilà. Et puis, vos remarques, vos questions et tout ça. Oui. Bon, d'abord, on t'a coupé, mais c'est l'usage ici. Bah, c'est le principe du... Aucune forme d'abord. Ah non, c'est vraiment, c'est un lieu pour penser ici. Je blaguais, je dis, quand tu parles du brouillon, je dis, mon besoin, je fais et je le jette à la poubelle. Et tant que c'est pas parfait, ben, je ne publie pas. Comme tout le monde. J'exagère un peu, bien sûr, quand je prends des choses, je me souviens tout le temps. Je vois, parce que tu parlais du tableau, du... comment t'as fait ça? Pas complet, du panorama. Un tableau machin, mais c'est le tout qui est sur le radar. C'est ce qu'on fait tous les jours, par exemple, dans la montre. Il fait sa belle démonstration dans l'infini parce qu'il ne sait pas faire dans les deux. Alors, attends, explique à nos étudiants la blague, parce que c'est joli. Oui. L'infini est N2. Non, on peut faire une démonstration dans certains espaces, dans certaines conditions, certaines choses, on sait faire. Okay, on publie quand même. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est démontrer dans N2, c'est-à-dire dans un espace plus compliqué, on va dire. Qui impose plus de choses. Pour vous dire N2, la théorie de ce que j'ai compris. Alors, dans l'espace, il ne fonctionne plus. C'est encore plus galère. Donc, on se donne des conditions de dire, tiens, je vais démontrer. Je ne sais pas faire cette démonstration sous telle ou telle contrainte, mais je sais la faire avec moins de contraintes. Toi, c'est la contrainte qui est donnée, et tout, et je arrive à démontrer. Si ça, ça va. Après, je monte, j'inverse, je me donne plus de contraintes, plus de choses, parce que je réponds une question purement mathématique, j'ai envie. Je suis un peu un artiste aussi. Ou alors parce que la problématique concrète derrière, l'application, l'impôt, c'est contraintes-là beaucoup plus costaud. Et donc, je démontre dans un espace un peu plus machin. Tu vois, plus simplement, je fais une démonstration pour n égale 2. OK, mais pour n égale à 3, je ne sais pas. Mais je te dis quand même pour n égale 2. Après, j'irai peut-être pour n égale à 3, 2 égale à epsilon. Et donc, on fait des brouillons aussi, mais plus mesurables, qui sont quand même cohérents avec le passé. Donc, c'est des potentiels, d'une certaine manière. C'est des potentiels fonctionnels. Des potentiels fonctionnels. Je parle pas trop d'art, parce que je le sais à chaque fois. Il sait faire un rond sur le plan, mais il ne sait pas faire un rond dans l'espace. Ah oui, par exemple. Tu vois, donc, on fait quand même le brouillon.
quand je n'aide pas, hein, je déconnecte. Un, deux, tu as parlé de pénotisme, mais on aurait la réputation d'être les plus les matheux. Les plus fainéants du monde, parce que tu sais, tu rentres chez toi, tu prends le bus, tu prends, et voilà, tu es alors que tu es en train de rêvasser en même temps, et tu résous peut-être une problématique, une petite question qui peut prendre des semaines et des mois, des fois, tu n'arrives toujours pas à la foutre sur ton tapis, puis d'un jour, dans le train, voilà, tranquille. Voilà, un jour, tu résous ça, hein, tu n'as plus qu'à aller sur. Donc, on a cette forme de fainéantisme, de paresse, aussi beaucoup plus que. Parce que je te traitais paresseux, mais je vais essayer de me rattraper. Mais ouais, enfin, les événements, les bonnes idées en art viennent de la pratique. Là aussi, il faut en faire beaucoup pour arriver à tirer quelque chose qui prend une forme. Et là, c'est valable. Et on pourrait penser que c'est une propriété anthropologique, quoi. C'est-à-dire que l'attrait qu'on a sur la résolution d'un jeu. Parce que c'est un jeu, finalement. Je pense que toutes nos questions qui nous préoccupent, ce sont des jeux. Résoudre, passer de N2 à un infini, quand on arrive à le faire, on a des gratifications émotionnelles qui sont de l'ordre de réussir un jeu. On a réussi à compléter le truc, et puis waouh, il y a un éclairage. Tu en parlais tout à l'heure, de Benjamin, de l'éclairage. Hein. C'était, voilà, c'est, ouais, c'est le deuxième point. Il y a des fois dans, je sais pas comment on appelle ça, mais une extase. En fait. Une extase. Et, je ne sais pas d'où elle vient, c'est pas normal. Mais tu sais, l'intégrale. Mais ça s'appelle. Ouais. Alors, ça a un nom. Il faut avoir pratiqué. Ces choses-là ont un nom. Je pense qu'il y a derrière. Ça s'appelle la libido. Si on dit. La libido du savoir. La libido si on dit. Et là, il faut bien le dire et bien l'indiquer, c'est que toutes nos activités sont liées à des questions de désir. Et d'ailleurs, c'est la preuve en est, puisque Laurent de Robert a fait une algèbre de la passion. Et il s'est servi des équations pour raconter une histoire amoureuse. Sauf que si je peux me permettre, ayant testé les deux, ouais. Je préfère les maths. C'est pas la même chose, bien sûr, parce qu'il y a différentes divisions. Je dirais avec mes termes, c'est pas la même presque nature. Mais tu vois, par exemple, Deleuze, le philosophe Deleuze, a vraiment travaillé sur la question de l'esprit désirant. Et nous sommes tous des esprits désirants. Et on va glisser. C'est aussi la sublimation. En art, on sublime, mais en mathématiques, on sublime. À un moment, il y a une opération de sublimation. Et c'est ça qui fait aussi nos marques de civilisation, ce qui fait que nous sommes capables de construire des dispositifs extrêmement sophistiqués. C'est parce qu'on a la capacité de sublimation. Finalement, un 4x4 rutilant qui passe à côté, ça ne nous intéresse plus parce qu'effectivement, le quaternion qui traîne à gauche ou le cercle bien foutu, on le trouve beaucoup plus touchant, ou la circonstance spatiale dans un espace nous préoccupe beaucoup plus qu'une gratification matérielle quelconque. Parce qu'il y a la libido, si on dit, qui vaut bien pour d'autres libidos et qui est probablement motive beaucoup plus et nous permet de compléter aussi notre existence. C'est-à-dire qu'on a c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a un retour existentiel assez puissant là-dessus. Parce que c'est dynamique et c'est beau. Voilà, c'est tout. Voilà, donc, d'autres questions ? C'est bon, on a fait le temps. Transition, on peut arrêter officiellement, mais si vous le dites, c'est ça. On s'arrête là officiellement.